Bois le sang de Jésus, 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 voilà. Bois le sang de Jésus. Viens, lèche. Bois le sang de Jésus, 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 bois le sang de Jésus. Toi, serpent qui est entré dans sa poitrine par songe, je te commande au nom de Jésus, tu remontes et tu sors, tu remontes et tu sors, tu remontes et tu sors. Tu remontes et tu sors. Ce lieu est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Cette ville est le temple du Saint-Esprit. Et là où règne le Saint-Esprit, le peuple régne des terreurs, le peuple régne des dominations, le peuple régne des autorités. C'est pourquoi je proclame au nom de Jésus. Remonte, sors de lui. Remonte, sors de lui. Lui, bagage, il va t'en. Sors de lui. Allez, allez, libère sa poitrine. Libère ses poumons. Libère sa trachée. Allez, allez, remonte, 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 remonte. Vois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Viens te mettre en face. Bois le sang de Jésus. Viens filmer ce qui est là-dedans. Ils vont voir. Allez, remonte, 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 remonte. Viens chercher ça. Bois le sang de Jésus. 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 Qu'une seule once de maladie ne reste point en lui. Qu'aucune maladie ne reste en lui. Qu'aucun envoûtement ne reste en lui. Le livre de Nombre 23-23 dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Envoûtement sort de lui. Divination sort de lui. Enchantement sort de lui. Rituel sort de lui. Maladie sort de lui. Plie, bagage, va-t'en. Au nom de Jésus. Libère-le. 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 Je vous ordonne au nom de Jésus. Maintenant, là où vous avez attaché son âme, je vous ordonne au nom de Jésus, libérez son âme. Détachez son âme. Détachez son âme. Vous, esprit méchant, je vous ordonne au nom de Jésus. Détachez son âme. Que son âme soit libérée maintenant même. Le livre de Jean 8, verset 36 dit, si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. Libérez son âme. Je vous commande au nom de Jésus de libérer cela. Je saisis l'épée du grand carnage. Et les liens qui étaient à lui, qui étaient attachés, qui faisaient qu'il était attaché, son âme était attachée à un âme. Je romps ces liens. Je romps les liens de la mort. Je romps les liens de la maladie. Je romps ces liens-là. Je les romps. Je romps ces liens. Je romps ces liens. Je romps tous ces liens. Je romps tous ces liens. Et je commande maintenant que son âme sorte de ce lieu. Que son âme sorte de ce lieu. J'en donne au nom de Jésus. Que ton âme sorte de ce lieu. Je romps les liens de la paralysie. Je rends les liens de la paralysie. Je rends les liens de la paralysie. Il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de la résurrection. Seigneur, j'en donne maintenant que ces gens prennent vie. J'en donne au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, que ces gens prennent vie. Que l'onction de la guérison descende depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Éternel, mon Dieu, mon roi, maintenant tu restaures ton serviteur. Oh Seigneur, un serviteur ne peut te servir s'il est malade. Un serviteur ne peut te servir s'il est fatigué et alité. C'est pourquoi je donne au nom de Jésus que ton sang lui redonne des forces depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Que ces gens prennent vie. Que ces gens prennent vie, que son corps prenne vie, que son corps prenne vie, que ces gens prennent vie. Seigneur, que tout son corps se lève maintenant et marche et rende gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je proclame que tu lui donnes de la force. Tu lui donnes de la force. Jésus, tu lui donnes de la force. Elohim, tu lui donnes de la force. Elohim, tu lui donnes de la force. Toi, esprit de mort, sors de lui. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. J'ordonne que les douleurs s'en aillent. Que la maladie s'en aille. Que la maladie s'en aille. Que la mort s'en aille. Que les envoûtements s'en aillent. Au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, dans le livre de Philippiens 2, verset 10 à 11, il est dit, oh, il est dit ceci. Au nom de Jésus, toute maladie fléchit. Au nom de Jésus, la mort fléchit. Au nom de Jésus, les envoûtements fléchissent. Au nom de Jésus, les sentinelles fléchissent. Maintenant, toi, esprit de mort, fléchis devant le roi des rois. Envoûtement, fléchis devant le roi des rois. Oh maladie, fléchis devant le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Lève tes mains, c'est fini. Lève-toi, c'est terminé. Merci. C'est fini, c'est fini. 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 Je te dis, c'est fini. Le Seigneur est rentré ici pour te guérir. C'est fini. N'aie même pas peur. C'est fini. Et la foi, le Seigneur t'a restauré. Il t'a rétabli. La maladie a disparu. Le mal est parti. L'envoûtement est parti. Alléluia. 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 Jésus. 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 Jésus.
Viens le filmer de face. Viens le filmer de face. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. C'est fini, n'aie même pas peur. Le Christ a guéri. Le Seigneur Jésus est rentré ici à Bobo Dioulasso. Pour toi, exceptionnellement pour toi. C'est terminé. C'est fini. Voilà. Bouge les pieds. Bouge les pieds. C'est fini. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Allons, marche jusqu'à ta chaise. On marche jusqu'à ta chaise. On marche jusqu'à ta chaise. Terminé. C'est fini. Voilà qui est Jésus. Voici le Jésus de la sainte doctrine. Voici le Jésus de la sanctification. Voici le Jésus de la repentance. Oh, voici le Jésus de la mort et de la résurrection. Alléluia. 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 À Saint Esprit, parle un peu. Parle un peu, on va voir. Parle un peu, on va voir. Parle un peu, on va voir. Alléluia. Tu peux pas marcher seul. Dis-moi, John, tu sais pourquoi tu n'as pas fait la ORTB. ORTB là, confirme, on filme de visage. Il dit qu'il ne pouvait pas marcher seul. Regardez ce qui s'est passé. Voilà, c'est moi. Alléluia. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Maintenant, tu vas marcher seul. Tu vas te laver seul. Tu vas aux toilettes seul. Tu vas l'évangéliser seul. Bon, avec ta famille, bien entendu. Maintenant, tu pourras faire tout sans que tu ne sois assisté par qui que ce soit. Alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure, tu ne pouvais pas parler, n'est-ce pas? Oui, je ne pouvais pas parler. Maintenant, alléluia. Oh, une toute libre qui Amen. C'est fini. Ce serpent là, il est fini. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment le Seigneur Jésus opère. Amen. Merci, merci. Tu veux donner un cantique pour dire merci au Seigneur. Voilà. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne pouvait pas parler. Il était, ça fait combien de mois ou combien de temps il était malade? Depuis février. C'est ça qu'il avait reçu l'envoûtement. Pratiquement deux mois à Bobo ici là. Il n'y a pas d'équilibre. Oh, vous êtes toujours obligé de le prendre dans les bras. L'attrape par l'épaule. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui vas attraper les gens par l'épaule. Amen. C'est toi maintenant qui vas l'annoncer Jésus. Alléluia. C'est toi maintenant qui vas prendre les bras des prostituées, des braqueurs, des voleurs et les faire sortir de là et leur annoncer la vérité pour qu'eux aussi deviennent de puissants serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est fini. Comment tu t'appelles, mon bien-aimé? Odraogo Jacques. C'est pasteur Jacques, c'est ça? Oui. Alléluia. Moi, je suis l'apôtre Abraham. Je viens de la Côte d'Ivoire. On est venu ici en mission de réveil. Amen. On était en train d'évangéliser au marché. Quand la bien-aimée m'a dit, homme de Dieu, mon pasteur est malade, je veux que vous veniez prier pour lui. J'étais en train de prier même pour une dame au téléphone. Elle a dit, homme de Dieu, je veux que vous veniez prier pour l'homme, pour mon pasteur. Amen. Je l'ai dit, je suis prêt à aller partout où tu veux que j'aille. Et c'est ainsi qu'on est venu. C'est la première fois que je viens à Bobo. On est arrivé ici à 18h. Alléluia. Et on a une campagne, on a une croisade cette nuit même ici à Bobo. Donc je profite en même temps pour vous inviter. Alléluia. Il n'y a même pas de souci. Je veux prendre votre contact. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut louer l'Éternel. Il faut chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Ma fille, tu sais que Jésus t'aime, mais il n'aime pas la dépigmentation. Tchakou là, c'est pas bon. Papa Jésus n'aime pas ça. Les bijoux, poitrines, de chéri, les gars, ma poitrine là. Le Seigneur Jésus n'aime pas ça. Ça, c'est le risque de Jézabel. Tu dois arrêter tout ça. Les boucles d'oreilles, dans les oreilles sexy, les petits gars. Tout ça, tout est consacré à l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci oh Seigneur, merci oh Seigneur, ton amour est merci oh Seigneur, barca oh wena, barca oh wena, barca oh wena, minke oh Allah, minke oh Ila. Allah minke mbarika, minke oh Allah. Merci oh Jésus, merci oh Jésus, mon amour est infini, merci oh Jésus. Alléluia. Bien-aimés, voici comment le Seigneur Jésus fonctionne. Oui. Amen. On n'a pas besoin, il n'a pas eu besoin de payer de l'huile, il n'a pas eu besoin de payer du sel, on ne lui a pas dit de porter un bracelet magique, il a accepté de se repentir de ses péchés et le Saint-Esprit l'a visité. Depuis le mois de février, il était malade. Il a dit qu'il a eu un songe où un serpent est venu se loger dans sa poitrine. Il avait une mal aux dents. Et depuis lors, il n'a pas arrêté d'aller sur maladie, jusqu'à être cloué au lit. Amen. Son frère est là. Oui. Il a témoigné. Son frère a dit que c'est eux-mêmes qui les prennent par le bras pour l'amener à l'hôpital. Oui. Mais ils ont tout essayé. Je pense que les pasteurs sont venus ici.
Beaucoup. Ils ont prié, plusieurs pasteurs oui. de Bobo sont ça venus ici. Ils ont prié, mais rien ne s'est passé. Alléluia. Il est comme la femme qui saignait pendant 12 ans, qui a rencontré le Seigneur. La Bible dit qu'elle avait rencontré médecin après médecin, mais rien ne s'est passé. Mais quand l'Éternel lui-même est arrivé, qu'elle a touché le pan de sa robe, alléluia, bien-aimé, je te le dis en vérité, elle a été puissamment guérie. Et c'est comme ça que le pasteur Jacques, que je viens de rencontrer pour la première fois, a été puissamment guéri par le Seigneur, juste parce qu'il a compris que pour recevoir la guérison, il fallait d'abord qu'il se répande de ses péchés. Alléluia. Et je vais dire un homme de Dieu, si vous ne prêchez pas la sainte doctrine, le Saint-Esprit ne pourra pas vous utiliser. C'est ça la différence. Vous voyez, plusieurs pasteurs sont venus ici, mais comme ils ne connaissent rien de la sanctification, comme ils ne savent rien de la sainte doctrine, le Seigneur ne peut pas se manifester. Sans quoi le Seigneur veut se manifester avec tous les hommes de Dieu dans le monde entier. Mais la condition, c'est de marcher selon sa volonté. C'est de marcher dans ses commandements. C'est de s'abandonner entièrement à lui. Et c'est de surtout avoir une vie de consécration. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire, gloire, gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'alpha et à l'oméga. Et à tantôt. Shalom. Alléluia. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Okay. T'as coupé?